les choses ne se passent pas comme Virgilia S. l'avait prévu. Actuellement enceinte de son premier enfant, la présentatrice météo de BFM TV doit aussi composer avec un cancer du sein. Abasourdie mais pas démoralisée pour autant, la jeune femme compte bien faire tout son possible pour éradiquer la maladie tout en se réjouissant de l'arrivée future de son bébé. Aujourd'hui sous chimiothérapie, elle a souhaité prendre les devants concernant sa chevelure. Lors d'un traitement par chimio, les cheveux tombent inévitablement. Pour regarder la vérité en face et toujours avoir le dessus sur le cancer, Virgilia S. a pris une grande décision qu'elle a révélée sur Instagram ce lundi 27 février 2023. On y est. Ça fait 3 jours que j'ai tondu mes cheveux. J'ai dû tout enlever car ils tombaient par poignées à cause de la chimio, ça devenait cauchemardesque. Si est-ce difficile car mes cheveux et moi, si est-ce vraiment une histoire d'amour de longue date. A-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle, souriante et coiffée d'une jolie perruque brune et d'un foulard. Une décision très difficile à prendre pour la future maman qui aimait particulièrement ses longs cheveux soyeux. J'ai mis énormément de temps à me résoudre au fait que j'allais les perdre. Ils étaient ce que je préférais chez moi. Et vu comment je les chouchoutais, je n'arrivais pas à croire qu'ils puissent oser me faire faux bond. Je les croyais invincibles. Naïveté quand tu nous tiens, a-t-elle continué ?